On parle tout de suite d'un chat à la longévité exceptionnelle, puisqu'il fête ses 40 ans, un chat polyglotte qui maîtrise une quinzaine de langues et dont les aventures vendues à 15 millions d'exemplaires dans le monde sont traduites en anglais, néerlandais, italien, espagnol, chinois, finlandais ou encore arabe. Mais c'est surtout un chat dont on aime l'imbécilité feinte, un anti-héros à l'esprit loufoque et décalé, qui pratique comme personne l'humour belge, dont voici quelques exemples. Bonjour monsieur, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on tue un Français ? Non, je ne sais pas. Bien, il suffit bêtement de lui tirer 10 cm au-dessus de la tête. Et pourquoi ? Ben, comme ça, vous lui tuez son complexe de supériorité. Vous savez pourquoi le lion Waterloo est tourné vers l'Angleterre ? Je ne sais pas, non. Ben, pour montrer son coup français. C'est le Belge qui se promène et qui voit un Français avec un suppositoire pendu autour du cou. Il lui dit, tiens, mais pourquoi tu te promènes avec ça autour du cou ? Ben, c'est le médecin qui m'a dit de suspendre mon traitement. Est-ce que vous savez pourquoi il n'a pas d'éclairage sur l'autoroute ? Bien, parce que les Français se prennent tous pour de la lumière. Elle est bonne. Le chat est belge, comme son créateur, Philippe Geluck, qui est ce soir notre invité, en coulisses, aux côtés de Bertrand Chameroy. Effectivement, Babette, je voulais... Oula, attendez. J'avais un chat dans la gorge. Excellent, en plus, on ne l'avait jamais fait, Philippe. Philippe Geluck, c'est à vous. Vous l'avez déjà fait, le coup du chat dans la gorge ? Jamais. Jamais. Bonsoir, cher Philippe. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ravi de souffler avec vous les 40 bougies du chat qui vous a inspiré ce nouvel album, le 24e. Ça faisait quand même 3 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvel album en librairie. Qui a le mieux vieilli, vous ou le chat ? Bah ça, c'est vous qui pouvez le dire. Non, mais le chat, il a un peu évolué. Hein. C'est-à-dire qu'il a grossi, c'est un peu empâté. Et moi, vous avez vu, je suis resté ce type filiforme. Donc vous le faites grossir et vous non. Exactement. Et pourquoi ? Mais parce que je sais pas. Je me suis dit à un moment que une certaine rondeur lui donnait un côté plus sympathique, plus gourmand. Et vous en veux ? Il aime vieillir le chat ou ? Mais il vieillit pas. Il bouge pas. Il me survivra évidemment. Et ça, c'est le propre des héros et des personnages de fiction, c'est qu'il ne meurt jamais. Ce chat a une longévité exceptionnelle et pourtant, au début, vous n'auriez pas misé un copec sur lui. Non, c'était des francs belges à l'époque, mais même... j'aurais pas pu. Mais parce qu'il est arrivé d'une façon un peu improbable dans le journal. Il était reproduit à un format comme celui-là, sur une colonne, des petits dessins, strip. Pif, paf, ouf, etc. Strip, le premier strip a beaucoup marqué. Il s'appelait L'humour en valson, leçon numéro 1. Il disait pif dans la première case, paf dans la deuxième, pouf dans la troisième, en disant c'est un bon début. Et j'en ai parlé au rédacteur en chef quelques années plus tard en disant merci pour la confiance que tu as eu en moi, parce que sur un gag comme ça, moi, je ne me serais jamais engagé. Mais le tout premier album a été refusé par 3 éditeurs, d'ailleurs. Alors, quand j'ai eu l'idée de faire un album, j'étais publié dans À Suivre, le grand magazine de bande dessinée, et puis ça m'a donné envie de faire un album. Je suis allé le proposer à Casterman, j'ai encore la lettre, le type m'a dit non, ça ne nous intéresse pas, parce que c'est toujours décevant, tant pour l'éditeur que pour l'auteur, un livre d'humour, ça ne marche pas. Bon, ok. Je suis allé voir un deuxième éditeur à qui j'ai dit hey, « j'ai une super idée ». Ils m'ont dit « non, merci, c'est pas trop notre créneau ». Un troisième qui m'a dit « non », je me suis dit « zut alors ». C'est le chat, oui. Oui, ça va pas le faire. Et puis, le temps passant, les gens dans la rue me disaient « mais alors, quand vous faites un album ou quoi ?» J'ai dit donc « je vais peut-être le publier à compte d'auteur ». Ce que vous avez fait peut le faire. Non, je ne l'ai jamais fait. Et là, Casterman a tout à coup dit « ah, mais peut-être qu'on va le faire quand même ». Bon, et vous êtes resté fidèle à Casterman. Oui, ils ont bien fait de revenir sur leur première idée. Et nous, on est vraiment ravis avec ce 40e anniversaire, puisqu'on vous retrouve. On adore voir le chat en slop. Voilà. Voilà, je suis né un mardi gras et je suis resté gras le mercredi, le jeudi et tous les autres jours. Exactement. Puis j'aime bien aussi votre déclinaison de marque célèbre ou très quotidienne avec la famille Lotus. Ah oui. Ils peuvent être fiers de leur fils. Hein. L'aîné a fait dans les fleurs, le deuxième dans les spéculoos, le troisième dans les voitures de sport et le petit dernier dans le papier de toilette. C'est une marque tout terrain. L'autre. Exactement. Vous avez quand même, je crois, depuis 40 ans, les calculs sont bons, mais 47 ans de vie commune avec votre femme. Ah oui. Et c'est à elle que vous soumettez vos derniers gags tous les matins ? Alors non, sauf quand j'ai un vrai doute. Et en général, elle confirme que je fais bien de douter, parce qu'elle me dit qu'il n'est pas bon. Mais sinon, si je sais que ça peut faire marrer, mais je lui soumets toujours la maquette de mon album avant de l'envoyer chez l'éditeur. Donc ça, c'est validé par Madame Geluck. Ah, absolument. Parce qu'elle me dit, tiens, là, il y a une redite, celui-là est plus faible, celui-là, non, etc. Donc je retire les 3/4 de ce que j'avais mis dans le projet. Non, ce n'est pas vrai. Mais ensuite, je lui demande
dit, je demande autour de moi qu'on me dise les choses avant qu'il soit trop tard. Parce que le dire une fois que l'album est publié, c'est un peu tard. C'est pour ça qu'on dit que du bien. Soit. Bah oui, là, il est publié. De toute façon, c'est trop tard. Oui, voilà. Ce serait me rendre triste pour rien.